proposer au projet avec François Tollier, par exemple, pour le projet que nous portons aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur colloquium.eu, et vous la connaissez aussi peut-être, parce que j'espère que vous avez signé, je suis certain que vous avez signé la pétition, l'affaire Versailles, le recours contre les bras, pour son inaction à la commune de la ville. C'est l'ancienne présidente de notre fédération qui porte le recours, je demande à accueillir Marie Toussaint. Nous voulons les droits pour les natures, nous voulons reconnaître les
parce qu'il y en a assez de ces multinationales qui pillent la planète en toute impunité. Mais ce facteur environnemental, il garantira aussi la justice démocratique. En donnant une voix à la nature et aux générations futures, avec une chambre européenne de la nature et du vivant. Et parce qu'il permettra aussi à toutes ces personnes qui sont en train de perdre leur maison, leurs exploitations agricoles, leur santé, du fait du réchauffement climatique, d'avoir enfin accès à la justice pour protéger leurs droits. Parce qu'on en a marre que des centaines de milliers d'euros, de milliards, soient investis chaque année dans les énergies fossiles, par la Banque d'investissement européenne, par le budget européen, par la Banque centrale européenne, avec la création monétaire. Il faut désinvestir des énergies fossiles, des subventions néfastes à la biodiversité, et il faut interdire la spéculation financière. Je parle aussi de la justice fiscale, parce qu'on en a assez que Monsanto, Total, Shell, non seulement n'y aient pas d'impôts, mais en plus de ça, nous fassent payer à nous, les citoyennes et les citoyens, les coûts de la spéculation du climat, de l'environnement et les frais de santé qui reposent sur nos vies. Je voulais vous dire que ce sont précisément les mêmes qui se moquent de la planète, qui asservissent la Terre et qui asservissent nos droits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être Bolsonaro, Salvini, Orban, Vox en Espagne, tous ces gens-là, vraiment le climat, c'est la moindre de leurs préoccupations, mais en plus de ça, ils oublient de se battre pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Nous allons leur arracher le droit à préserver notre planète, à pouvoir y vivre bien, à y vivre toutes et tous. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est que tous ensemble, vendredi 24 mai, nous soyons dans la rue aux côtés de toutes ces Jeunessaises et tous ces Jeunessiens. Dimanche dans les Yvelines.